je veux, c'est quoi les bails là? J'ai fait une cagnotte, y'a que dalle comme participant. Je suis choqué. Non, là je commence à voir des gens bizarres. Wesh les frères, fais pas les crevards. Genre la vidéo il y a grave des vues, mais les dons, ah ça suit pas trop hein. Je vous le dis encore une dernière fois, mais je vais arrêter de vous spammer. C'est vraiment pour aider les orphelins. C'est des orphelins qui peuvent pas aller à l'école. S'ils peuvent pas aller à l'école, en fait, ils sont obligés d'aller travailler dans les champs, avec les adultes, avec. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est chaud quand même. Là c'est vraiment pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est-à-dire pour qu'ils débutent, qu'ils puissent les récupérer, les emmener, parce qu'il y en a qui habitent loin. Une dernière fois, j'ai mis le lien de la cagnotte en barre d'infos. Même 1€, 1€, 50 centimes, 10 centimes, peu importe. Ça fera toujours la diff. Et merci en tout cas à tous ceux qui participent et qui jouent au jeu. On est ensemble. Bien quoi la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu tous vos retours sur le vlog que j'ai fait au Sénégal. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos messages. Vous avez kiffé. En tout cas, si vous voulez d'autres vlogs sur ma chaîne, dites-le moi aussi en commentaire. Comme ça, le prochain voyage, je vlog direct. La vidéo que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui, c'est sur une période qui a marqué ma vie. On va pas se mentir, quand t'as 18 ans, ça change quand même ta life. Vous allez dire non, mais c'est trop la vie, t'as 18 ans, t'es majeur. Je vous jure que c'est le début des galères et le début de la merde. Juste avant de commencer, je vais dédicacer cette vidéo à Myriam Sec de Bordeaux, à Hamza Choukri de Charenton, Sherine Winchel de Metz, Anna Sémadine de Saint-Gratien, et pour finir, Maïssa de Vienne. Merci les amis, font ensemble. Alors, une dernière chose juste avant de commencer, c'est pour vous dire que je n'y aura pas de vidéo les deux prochaines semaines, peut-être, je crois que c'est ça, ouais. Parce que je suis en train de préparer d'autres choses là en parallèle. Je prépare d'autres choses qui seront bien sûr sur YouTube, donc il me faut un peu plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas de vidéo, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais bien sûr, en décembre, Inch'Allah, je reviendrai. Pour commencer cette vidéo, là, faut qu'on rentre dans le vif du sujet cash direct. Moi, une des choses qui m'a marqué que je regrette, c'est le jour de mes 18 ans. Et en a, ils sont hyper contents. Ouais, pumpez up, c'est trop bien, j'ai 18 ans. Ah non, moi, j'étais pas content. Hein. Bon anniversaire! Voilà, bon anniversaire, oui, j'ai 18 ans. Par jour, je vais payer pour dormir dans un lit. Tu donnes cash l'argent pour laver les vêtements ou là sinon tu vas à la loge. Je suis choqué. 50€ par mois. Les courses une fois par semaine le samedi. Pourquoi tout ça? Minimum 40€. Mais je sais pas, t'es ma mère, enfin t'es censé m'assumer longtemps. J'ai rien à foutre. T'as 18 ans de majorité. Tu dépenses comme moi. Tu crois que je vais t'assumer jusqu'à quand? Je t'essuie les fesses avec les lingettes aussi. Non, mais moi tu m'assumes jusqu'au mariage. Après quand je me marie, après. Dans ta gueule, je vais te boxer. Une part de mariage, tu parles de mariage. Je suis choqué. De mariage, pourquoi j'ai 18 ans? Pourquoi j'ai 18 ans? Ah oui, du coup je suis plus un enfant de ma mère, je suis un colocataire. Ah, après moi je trouve ça totalement normal, t'as grandi, t'es majeur, ça y est tu deviens adulte, bah voilà, tu commences à aider tes parents. Parce que les pourris gâtés là, 18 piges là, ils foutent rien. Eh, faut se bouger les gars, eh, faut charbonner, c'est ça la vie. Hein. Alors là par contre genre 18 ans faut se marier. Moi j'ai un pote qui s'est marié à 18 ans. Hein. 18 ans, vous imaginez moi je me marie à 18 ans. Ah salut maman, ça va, tu vas bien? Oui ça va très bien. Bah en fait, voilà, j'ai ramené ma copine. C'est qui celle-là? Salam alaikum. Ah je suis choqué. Bah, ça y est, j'ai 18 ans, je ramène ma copine. Ça y est, enfin, ça y est, je suis un homme, faut que je me marie, faut que je... Ça y est, t'as 18 ans, tu ne parles pas que de mariage. Attends, je t'ai préparé le mariage. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Y'a pas de parents, y'a rien du tout. Délinquant, quand tu me ramènes les délinquants ici. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est sérieuse là ta mère? Attends, mais prends pas, je la prends. Je sais déjà, ça va pas. Ouais, rentre, on va discuter. D'accord, bon, ne vous inquiétez pas, on va se calmer madame. Quel idiot, rentre chez qui là? Casse-toi, dégage, tu rentres chez des gens comme ça, tu connais pas. T'as pas de parents. Allez, dégage, chat de gouttière. Si tu veux du pain. Allez, casse-toi. Oh mon dieu. Mon chat. Attends, je vais te dire. Tu vas prendre ce qu'il y a. J'arrive, je te boxe. Mais c'est quoi ça? Mariage, mariage, allez, marie-toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bien, ta mère m'a choisi une serviette. On va se marier. Oh la dinguerie! Tu te maries avec une femme kex comme ça? Ah non, c'est pas pour moi. Rabia bientôt dans les bacs, c'est 10 ans. T'inquiète, c'est pas bon la vision. Moi personnellement, quand j'ai 18 ans, mon rêve c'était de m'acheter des vêtements de luxe. Je dis des vêtements de luxe comme si j'allais m'acheter une armoire avec des vêtements de Talifou. Non, c'était juste, je me suis endetté avec ma bourse et tout. C'était une paire de Gucci, je crois. Depuis qu'il a 18 ans, je reconnais plus quand le stéréo il a changé. Il a changé, il me ramène les meufs, il veut se marier. Là, j'en suis sûr, il est parti faire les magasins, il va me ramener du change, je vais être choqué, je vais le boxer après. Ma veste dorée, mes baskets de mes rêves, ça y est, la bourse elle est tombée. Tu veux plus, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que tu faisais là? Mais qu'est-ce que tu fais dans l'armoire? J'ai attrapé la main dans le sac. Oh, il a acheté des trucs chez Gucci, Balenciaga, Louis Piston, je suis complètement folle celle-là, elle me piste, depuis que j'ai 18 ans, elle me piste tous mes gestes. C'est quoi tout ça? Tu crois que t'es riche? Arrête, tu vas me rendre folle. Montre-moi la veste que t'as pris, montre-moi. Okay, Gucci. Ah, je
suis choquée. Je travaille un an pour acheter ça. Je travaille un an. C'est la première fois que je m'achète un truc cher, ça va. Tu vas pas mourir, c'est pour moi en plus, c'est mon argent. Je vais la revendre, tu vas voir, je vais la revendre. Mais non, s'il te plaît, arrête de faire des trucs comme ça. C'est pour moi, c'est ramène les factures, ticket de caisse, vas-y, ramène. Vas-y, je te ramène le ticket de caisse, je l'ai laissé là-bas. Je suis choquée dans un lit de prison. Et ils m'achètent des trucs de riche. Je n'avais pas le droit de respirer, je n'avais rien le droit d'acheter. Ah, après, c'est vrai qu'elles abusent les marques de luxe. Une paire de baskets 500€, pour qui vous prenez? Même si on est des pigeons, calmez-vous. Vous, c'était quoi votre trip de ouf quand vous avez 18 ans? Allez, dites-moi en commentaire. Et ceux qui vont avoir 18 ans là, vous rêvez de faire quoi? Croyez pas que vous allez monter dans la tour Eiffel et vous allez faire des trucs de ouf, vous allez gravir l'Everest. C'est un vieux truc. Ah bah, du coup, t'as 18 ans donc. Bah voilà comment ça se passe quand tu dois aller faire les courses. Allez, tu te dépêches. Ouais, d'accord. Pourquoi on est là? Oui, on fait escale ici à la banque d'abord et après on va faire les courses. Non, on est censé aller faire les courses directement en fait, je comprends pas. Ah, parce que tu crois que c'est moi qui vais payer? Ça y est, t'as 18 ans, j'ai rien à foutre. Tu payes, tu dépenses comme moi, j'ai dépensé. Toi, tu crois que j'ai un salaire? Tu crois que je suis salarié? Tu crois que je suis employé? Mais j'ai pas d'argent moi pour que je. J'ai rien à foutre, t'es majeur vacciné, tu payes comme tout le monde. Allez, paye. Vas-y, je vais être à découvert à cause de toi, je vais être à découvert. C'est pas mon problème, moi aussi j'étais à découvert toute ma vie pour vous. C'est moi, pardon. Allez, tu vas être à découvert pour la première fois dans ta vie. Allez, vas-y. Voilà, j'ai retiré pour que tu fasses les courses. Parce que ça profite sur mon clochard. Radin, dis à son âge, radin, comme son père, il est radin. Crevard, je vais me prendre les pains moins chers. Comment ça, je prends pas ce point? Je crois que je vais prendre quoi? La bio, tu choisis. Non, mais Henri, c'est trop cher. T'es malade ou quoi? J'ai rien à foutre. Tu dépenses cash. Cash back. C'est contre que je suis la banque en fait. Vas-y, j'ai capté. Ça y est, j'ai capté. Moi, je prends les bonbons. Non, ça, c'est les bonbons moins chers. Moi, je prends les M&M's. Je prends pas le paquet. Rien à foutre, tu prends. En fait, tu michetons. T'es michetons. Oui, je te michetons. Tu vas payer 10 chichards à ta livrette. Je te michetons. Je vais prendre du lait bio, j'aime beaucoup le lait bio. Voilà, je prends du lait bio. Prends du jus d'orange et des trucs. Bah, moi j'aime bien le jus de raisin et le jus d'orange. Tu vois, celui-là je trouve qu'ils sont bien. Je suis choqué, on est intoxiqué avec le prix gagnant. Tu veux quel jus alors? Non, je veux Tropicana, tu me prends Tropicana, jus d'orange pur. Ah oui, tiens, tu veux Tropicana et tu veux... Ouais, j'ai capté, ça y est, j'ai capté. Allez, tu prends, j'ai capté. Voilà, j'ai pas fini mes courses, je prends encore un truc. Ouais, tu michetales clairement. Ouais, oui, je profite de toi, je te michetale. Parce que madame veut. J'ai pris une bouteille d'eau. Moi je prends des glaces. Mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que tu vas prendre des glaces? Il fait froid, tu crois que tu vas prendre des glaces? Mais alors il fait froid, on mange plus de glace. Vas-y, j'avais quel. Porcée, tu vas. Ben et Jerry, j'ai jamais goûté de ma vie parce que c'est cher, tu crois que tu vas en acheter aujourd'hui? J'ai jamais goûté, j'ai jamais goûté aussi. C'est l'occasion. Je vais avoir un paiement refusé à cause d'elle, je vais me ficher. Vas-y. Paiement refusé ou pas, j'ai rien à foutre. Tu prends ce que tu veux, prends tout le magasin si tu veux. Ah, c'est comme ça! Moi quand j'étais petit, je voulais des Kinder Bueno, c'était die! Maintenant tu me veux des M&M's! En vrai, t'achètes et tu fermes ta. Hey, moi maintenant j'ai 18 ans, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, ok? Je peux vous dire que quand j'ai dit ça, j'ai eu pas mal de représailles. Ouais, je sors chez moi tout de suite. Tu vas où? Où tu vas? Je sors. Tu sors? Bah, je sors, je vais voir mes potes. Je suis choqué! Tu sors comme ça la nuit, tu me dis pas. Mais toi, tu dis n'importe quoi, mais en fait, bien sûr, c'est normal. On dirait que je vais mourir. Mais je t'appelle après s'il y a quoi que ce soit, tu crois. 18 ans, incroyable, majeur vacciné. Mais t'es bizarre, n'importe quoi. Hey, j'étais forcé, tu sors pas comme tu veux. Je crois. Ah, il est parti, je suis choqué, il fugue. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est bon alors? Ah, ouais, non, mais elle m'a rendu ouf. Mais impossible, j'ai dû m'enfuir. Pourquoi? Bah, je sais pas, elle me bloque dans tout ce que je fais. Il est 20h, j'ai pas mis de sortir. C'est bon, vas-y. On sort là du coup, on fait quoi? On va bah écoutez, on va où vous voulez. Là c'est bon, liberté. Allez. Liberté là. Je crois qu'il y a un reste, il est pas mal et tout là. Bah allez, go. Elle est complètement malade. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Il est avec deux chats. Elle est complètement folle, mais descends, qu'est-ce que tu fais là? Descends. Ah mais en fait, t'as 18 ans, c'est pas la vie d'Aloca. T'as la crise d'ado, donc la crise d'ado c'est entre 14, 13, 14 jusqu'à 16. 18 ans, t'es censé être adulte. Alors mais tu fais toujours pas ce que tu veux. Quand ta mère te dit un truc, tu te la boucles. J'ai juste une chose à dire. Louay, bon courage. Et puis voilà la famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, lâchez un commentaire, un like. Je compte sur vous pour les pouces bleus. Ah, y'a des loups, fais un plaisir. Quand je mets ma vidéo en première et qu'il y a des dislikes, je ne vous comprends pas. Les haters, ouais, dites-moi avec une commune. Moi aussi, s'il y a des thèmes de vidéos qui vous plaisent et que vous aimeriez que je tourne ou que je fasse, bienvenue, lâchez-vous en commentaire. N'oubliez pas comme d'hab de vous abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, je compte sur vous. Merci en tout cas la famille, je vous kiffe. Ciao. Tu vas où? Sors, tu te casses s'il te plaît. Casse-toi. Elle est morte de rire. Elle est complètement malade. Attends, on peut la remettre, tu peux. La fête est écrasée. J'en peux plus. Regarde les gens là.
merci. Hein. Ils sont morts de rire, les gens.